Bonjour, monsieur et dame. Moi, c'est mademoiselle Dumondé Salimata, fonction commerciale. Je viens par le forum de l'émergence donner un peu d'intervention. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Un pays émergent, c'est un pays qui sort d'abord d'un sous-développement pour aller vers un développement. Donc, pour ça, nous sollicitons que on puisse aider le pays à aller de l'avant, pour qu'il soit un pays émergent à l'horizon 2020, comme on le dit. Maintenant, quelle est la contribution de votre domaine d'intervention à l'atteinte de l'émergence de votre pays ou de l'Afrique? En tant que commercial, moi, je pense que la contribution de tout un chacun de nous, c'est point. Dans quel sens? Quand on parle d'émergence, tout le monde fait une allusion à l'État. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Donc, dans le domaine, c'est d'accroître vraiment l'encadrement au niveau de certains jeunes pour avoir l'esprit d'abord d'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneuriat, dans quel sens? Monter d'abord des business, c'est-à-dire son propre business pour pouvoir employer des jeunes qui sont au chômage, tout comme permettre aussi à certaines familles aussi d'utiliser ce qu'on appelle la joie de vivre sur tout ce qui est face à nous, sur le plan de la pauvreté, pour pouvoir vraiment diminuer le taux de chômage et de la pauvreté, en tout cas dans le pays. Donc en tant que commercial, moi j'aimerais qu'on mette des petites structures PME pour pouvoir apporter quelque chose à la population et au pays. Maintenant, qu'est-ce qui est attendu à des citoyens dans le cadre de l'émergence en Afrique? Les citoyens d'abord doivent s'éduquer d'abord soi-même. S'éduquer dans quel sens? Se préparer psychologiquement à affronter des réalités qui s'imposeraient à nous pour être émergents. L'Europe a traversé peut-être des situations pour pouvoir être ce qu'ils sont, où nous tous on opte aujourd'hui pour dire je vais aller en Europe. Dans quel sens? Parce que l'Europe ne s'est pas développée seule. Il y a eu des difficultés, des failles, jusqu'à ce que ce soit l'Europe, pour que nous tous on envisage être en Europe aujourd'hui. Donc l'Afrique peut être l'Europe si chacun veut que l'Afrique le soit. Donc, quatrième question, je vais dire que qu'est-ce que l'internaute doit retenir d'une intervention dans une phase? Je vais dire que on a besoin d'un sacrifice de part et d'autre. On doit accepter les difficultés. Puisqu'on sort d'une crise, tout ne peut pas se présenter comme sur un plateau d'or. Il faut vraiment persévérer. Il faut préparer la mentalité de chacun à ça. Pour dire c'est dur, mais on va s'accrocher pour atteindre l'horizon 2020. Avec vraiment beaucoup de succès et de joie, et que la Côte d'Ivoire retrouve vraiment le sourire des années passées. Je vous remercie.